L'acte 11 de la méga campagne du salut, de guérison, vient et voit, Jésus n'a pas changé. C'est écrit du mercredi 7 au vendredi 9 février 2024 au stade Bangou, situé dans le 3e arrondissement de Douala, animé par la chorale mixte de l'église de Douala. L'évangile a été de nouveau présenté par le pasteur Martin Fatele, leader de la communauté missionnaire chrétienne internationale Douala. Pendant 3 jours, plus de 892 personnes ont répondu présents à l'invitation de la communauté missionnaire chrétienne internationale dans ce quartier qualifié de difficile. Le terrain Bangou a servi de cadre pour abriter cette campagne, qui a été marquée par la conversion de plus de 150 personnes, soit 13 guérisons instantanées et 5 délivrances authentiques enregistrées. Une grande maison du lieu de la campagne a immédiatement ouvert ses portes pour les études bibliques le dernier jour de la campagne, et les frères ont saisi l'occasion pour commencer l'œuvre dans cette maison. Les faiseurs de disciples sont à pied d'œuvre dans le quartier pour récolter la moisson. Le directeur de la campagne n'a pas manqué de dire sa satisfaction et donner les stratégies de suivi. Et présent, nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il a accompli pendant les 3 jours. Puis 3 blocs de suivi avec des dirigeants dans chaque bloc. C'est vrai que chaque converti a un conseiller, mais il y a 3 personnes qui vont se rassurer que les convertis sont effectivement suivis, que ceux-là qui les ont reçus la suivent. Et aussitôt, il y a une sœur qui a cru à Saint-Marceline, qui nous a ouvert les portes de sa maison. Dès demain, nous aurons une réunion, une rencontre avec nos jeunes convertis. Et désormais, nous aurons une réunion, un pôle d'enseignement des jeunes convertis chez elle. Les prochaines étapes sont prévues du mercredi 14 au vendredi 16 février au stade armé de l'Aigne à La Château, et du 17 au 19 février au petit terrain de Bounamoussadi village situé dans l'arrondissement de Douala 5e. Adieu toute la gloire.